this now. Oh, oh. See, I'm real, I do it all, it's all me. I'm not made, I'm becoming lazy. I won't say the thing that just read me. So what's the license to suffocate me? And you need me, man, I don't need ya. 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 You need me, just the lyrics of the M and the drug. I won't stop till my name's applied to say. Don't catch with them and rot some red carpet. Now I'm the raven night because I'm young and I'm about to get a kiss. De la nouvelle star de 2013. C'est ça. Qu'est-ce que cela t'a apporté? C'était une expérience fantastique. Déjà de pouvoir se retrouver comme ça en prime time à la télé devant toute la France, c'était assez fou. Et puis c'est des rencontres aussi bien voilà, sur le plan amical que sur le plan musical. C'est une mise en condition de jouer devant autant de monde. C'est vraiment une dose d'adrénaline. On découvre un autre milieu. De la télé, des régisseurs, des présentateurs, du petit peu du showbiz entre guillemets comme on dit, enfin ça me fait rire, mais c'était une expérience assez incroyable. C'est ta première fois à la télé ou t'avais déjà fait d'autres fois? On avait fait avec mon groupe, mais ça n'a rien à voir avec toute une émission et un suivi comme on a à la Nouvelle Star, quoi. Donc là c'est vraiment toutes les semaines, et puis il y a toute une campagne de promotion autour de ça, et surtout que moi j'y allais, je m'attendais pas à tout ça, et je me suis un peu fait prendre dans le tourbillon, ouais. C'était assez marrant, ouais. Et puis, ça nous a permis de continuer l'aventure avec le groupe, de bénéficier de la notoriété, des contacts pour lancer les projets là qui vont venir en fin d'année. Donc voilà, pour l'instant, c'est que du positif, ouais. Qu'est-ce que tu as aimé ou pas aimé dans la Nouvelle Star? Qu'est-ce que j'ai aimé? Les rencontres. Je l'ai déjà dit, je me répète, mais c'est vraiment comme on vit sous tension, sous pression, et on a un rythme qui est hallucinant. Du coup, on découvre les vraies personnalités de chacun sous stress, et c'est vraiment là où où on crée des amitiés incroyables, et où on est projeté face à l'être humain, et comment l'être humain va réagir face à la médiatisation quand t'es dedans. Et quand tu sors et comment les autres te voient différemment, alors finalement t'as pas changé, tu fais toujours la même musique et c'est assez intéressant, ouais. Il y a plein de débats philosophiques autour de ça. Est-ce que t'as un nouveau télécrocheur vu prochainement? Non, c'est pas mon but dans ma carrière musicale, mais c'est une expérience comme ça. Très drôle à vivre et puis ultra enrichissante, mais c'est pas j'ai pas envie d'enchaîner les prochaines, c'est pas forcément ce que je cherche. Voilà. Avant la Nouvelle Star, pendant 4 ans, tu étais finaliste au Festival des musiques lycéennes. Et ce soir, il y avait deux groupes qui étaient présents, The Willys et Unidos. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et qui sont dans les 10 gagnants de 2014. Quel conseil tu pourrais leur donner pour la suite? De toujours rester entre copains et de continuer quoi qu'il arrive, quoi. Jamais se prendre la tête, toujours rester simple, et puis finalement toujours faire ce que t'aimes et pour ce dont t'es là, c'est-à-dire juste te faire plaisir sur scène et avec tes copains. Il faut pas, enfin je pense que tout au long d'une carrière on se pose de plus en plus de questions et finalement, il faut réapprendre à rester simple et à apprendre à quitter toi-même, à ne jamais oublier quitter toi-même au fond, et voilà, oublier tous les, en fait, à continuer à garder tous les bons sentiments qui t'ont amené à aller jusque là où t'es. Là, t'as des dates de cancer prochainement? J'en ai moins que d'habitude parce que là, je suis sur Paris, je compose donc pour mon projet solo et puis le projet avec le groupe. Et du coup, voilà, si j'en ai quelques-unes, ouais. Mais j'enchaîne entre Paris et la région, quoi. Les internautes peuvent te retrouver sur Facebook. Les internautes peuvent me retrouver sur Facebook, Philippe Krier, K-R-I-E-R, avec un K, voilà, et un E-R qui vient de la région, ça respire la Lorraine. Et voilà, Philippe Krier, et sinon, c'est le projet solo, et mon groupe, c'est Backstage Rodeo. Cool.
Et hors musique, on voudrait savoir si tu as un pronostic pour la Coupe du Monde. Ah là, mais moi c'est sache que la Coupe du Monde, je suis un grand footballeur. Et si j'avais pas été chanteur, crois-moi que j'aurais tout fait pour pouvoir être joueur de foot. Moi, je vois bien France-Espagne. La France, ça s'est bien passé, très bien passé contre la Jamaïque. Après, bon, la Jamaïque, faut pas oublier que c'est quand même une équipe qui est pas terrible relativement au classement FIFA. Mais la France a une équipe jeune et ils ont l'air bien soudés, c'est cool. Il faut qu'ils continuent à jouer ensemble et qu'ils acquièrent encore plus d'expérience ensemble. Mais je pense qu'ils peuvent être bien, ouais. Bon, les Espagnols sont toujours redoutables, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait un bon France-Espagne, ça ferait du bien, ouais. Merci pour cette interview. Pas de soucis, merci à vous.